Ah, ça a monté d'un cran, là, direct, ça a monté d'un cran. Ah, c'était moins de Jéhovah. Hein. Certains événements vous donneront l'opportunité de vous mettre vos oreilles contre la porte dans les pièces que vous avez déjà visitées. N'oubliez pas de faire très attention, ça pourrait vous sauver la vie. Ok, c'est pour ça que quand un monstre essaie de rentrer en premier réflexe d'un gars, c'est pas forcément de bloquer la porte. Mais franchement, il a, c'est boldy ce qu'il a fait. C'est vraiment boldy ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Suis-je en train de perdre la tête? Puisque ça, je vais aller sous la table, hein, à quatre pattes. Mais que dur nom, hein. J'ai connu mieux comme ASMR. Oh, d'accord. On a un tournevis. Le tournevis, c'est pour... Ah si, mais pourquoi j'ai pas... Pourquoi personne n'a réagi, là? Un tournevis, je peux utiliser... Je peux combiner le tournevis avec... Voilà. Fusible. Quatre fusibles se trouvent dans une vieille boîte métallique. Inspecter, tourner... Ok. Des fusibles, c'est érotique. Les fusibles, c'était pas dans le... Dans le garage? On va les allumettes, pas de bois. Ça veut dire que je peux monter là. Chouette, point d'interrogation. On dirait que quelqu'un a décroché une peinture. Vieille peinture, quelqu'un l'a décroché. L'étiquette du revers indique qu'elle date de février. Ah, très belle année, février. Tout a l'air si calme dehors, à part les démons qui essaient de passer la porte avec des dizaines de bras machiavéliques. Et si je restais à l'intérieur de la maison plutôt? C'est... Tout le soleil des trous. Ok, je pense que ça a l'air d'être ok. Ça pleure là, non? C'est le chat. Parce que si tu plonges la photo sous l'eau chaude, elle change d'apparence. Ne regarde pas la photo. Bah... Too late. Le feu de joie doré. De Sébastien Le Cher, son premier roman que j'ai lu, je n'arrive pas à m'en défaire. Essayez... Tranquille. Un miroir assez poussiéreux, un miroir assez poussiéreux, une éponge, très bien. Une éponge sale. Hop là, tour de magie, j'avais une pièce de monnaie à l'intérieur. Et au plat, je la retourne, il n'y a plus rien. Dormez maintenant. Et quand vous ouvrez les yeux, cette étoffe sera propre. Complètement sec. Mais je parie que ça éponge très bien les liquides. Mais, ok. Un tas d'articles de toilette. Non ouvert. Ça doit être la salle de bain des invités. Non, pour le coup, je pense que c'est plus marrant avec lui qu'avec Sophie. Ça a toujours été plus marrant avec lui qu'avec Sophie.
Faudrait que je fasse ça comme nouvelle alerte de sub. Je vais en courant. Ah. On dirait que quelqu'un a mis de la super glue noire sur la poignée. Que diable est cette chose? Mon cœur bat fort, je crois que je suis amoureux de cette matière noire. Ces photographies et figurines doivent être des souvenirs. J'ai la manette qui fait boum boum, hein. Heureusement que je l'ai pas mise genre dans mes mains, la manette. Parce que sinon, je la sentirais vibrer. Cher Sébastien, je voulais vous écrire personnellement pour vous informer que je vais prendre un peu de temps pour me reposer. La boutique sera donc fermée à partir de demain. Je voulais être celui qui vous informe plutôt que de vous laisser découvrir le message sur notre porte. Ma fille est en voyage et je dois avouer que je ne peux pas tenir le rythme tout seul, surtout à cause de mes récentes insomnies. Dès qu'elle reviendra, nous ouvrirons de nouveau. Soyez assurés que vous serez le premier alerté. J'espère que j'irai mieux d'ici là. Veuillez saluer chaleureusement vos amis de ma part, cordialement, 06 28 29 29. Ah, t'as raison. Des pinceaux, des pots de peinture secs. Il y a un peintre dans cette maison. Ça doit être lui qui utilise tout le noir sur ses murs. Pourquoi empilerait-on des œuvres d'art au sol? Ce sont des antiquités peintes en mars 83 et en septembre. Ah. Attends. C'est un faux reflet là, le truc par terre. Et on dirait qu'il y a une échelle là-haut. Super idée. C'est un faux reflet de lumière là. Ok. Je pense pas pouvoir atteindre les crochets. Peut-être utiliser une étoffe. Je pense pas pouvoir accrocher. Je vais peut-être essayer d'utiliser. Bois d'allumette. Non, j'ai tout essayé, je suis au maximum. Même pas, je monte. Mais même pas, tu rentres dans la maison en fait. Par la fenêtre, tu vois. À partir du moment où par la fenêtre, tu vois la rue, tu vois des voitures et tu vois des gens qui se check et qui passent et qui sourient et qui mangent le papa et tu te dis ah, d'ailleurs, ça a l'air calme. À partir du moment où tu sors cette phrase de ta bouche, t'es dehors en fait. T'arrêtes de visiter la maison, tu vois. Télécommande du garage standard. Les boutons sont un peu usés. Attention. 3, 2, 1. On l'appelle l'enquêteur orgasmique. C'est érotique une télécommande. Hop là, j'appuie. Je suis tout allumé d'ici. J'adore ce fauteuil, un cuir noir de bonne qualité. Mais arrête! Mec, ça. Qu'à danger, je pourrais probablement me cacher sous ça. Le mec, à chaque fois qu'il trouve un objet, là. Et à chaque fois qu'il voit une table, oh, je vais me mettre en dessous. Je suis éditeur. Et livre un manuel de référence par tous les sujets inimaginables. Hein? Les paysages, même si j'aurais aimé avoir un peu plus de couleurs, pas qu'en 1905. Okay. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu ces masques dans ce documentaire des tribus d'Afrique du Sud? Ok. Le jeu est chouette, je suis d'accord avec toi.
Le répertoire de base pour les coordonnées. J'en ai un au bureau, mais le bois, quand il est fait, n'est pas aussi joli que celui-là. Dans l'oreille? Dans l'oreille? Non? Hein, pas d'oreille. Quelque chose de cassé dans la serrure. Ta dignité? Genre. Je peux utiliser ton vis? Ou la clé pour pousser? Si j'étais un sorcier, peut-être. Un sorcier voulu m'a volé l'image. Je ne sais pas quoi vous dire. Attends, j'ai dans la tête. Hoppa! Ça répond à ta question, Grigou? Oh, quelle bande de traite là, c'est cinématique. Son cri, cri, je suis dans les visages. Ils aiment la chanson française. Il faut que j'aille. Ouais. Voici l'emplacement de l'éclat. De l'éclafaudage. De l'échafaudage! Pourquoi ils écrivent ça, éclafaudage? Ça n'a aucun sens! Rien d'intéressant ici, à l'exception de vieux tourne-disques. Norm. What? Mrs. Husher? Si vous écoutez de la chanson française. I need to get in there. Ça va, madame? Je me dis que si je reste là, tant que j'écoute qu'elle pleure, elle est vivante. Peut-être qu'en restant là 4 jours, pendant ce temps, l'ex-femme de mon associé Sophie qui voulait venir ici a le temps de venir. Et fais le tour et viens l'aider. On peut pleurer pendant 4 jours. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Ça fait 7 ans pour la modération. C'était fermé là. Non. Ça vibre. Hein. Peut-être. C'est pas possible. Hein? Il est parti à droite. Ils arrivent d'affreux quand même. Ok. Non. Merci beaucoup, Cheyenne. Merci beaucoup pour les 21 mois. Merci infiniment. Très très bien, c'est toi. C'est adorable. Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens. Bonsoir à toi. Bonne question si je peux utiliser le chiffon noir là-dessus. Okay, je pense que je peux descendre. On a quoi? On a les fusibles, on a le garage. Hein. Je vous rappelle qu'on. Pleure dans le chat. J'ai un tournevis, je peux peut-être l'utiliser dans la flaque électrique pour vérifier si c'est du vrai électricité ou si c'est de la fausse, tu vois. Un chiffon! Chiffon! Chiffon!
Allez, c'est parti pour le plan Claude François. Allez. Je suis venu nettoyer la maison en fait. On s'en fout, Daniel. Il est peut-être mort découpé en 18 morceaux. Mais tant que la maison est propre, vous savez, c'est stylé quand même. Faudrait quand même. Ça vaut le coup quand même. Attends. Un cadavre, c'est nul. Mais il y a un cadavre dans une maison propre, c'est mieux. Attends. On a nettoyé l'électricité. On peut pas t-bag, c'est extrêmement triste. Mais on peut aller à quatre pattes sous la table. Quoi ? Une horloge qui sonne ? On doit être dans le garage, c'est sûr. Oui ? Je pense que la partie de son cerveau basée sur la zone du plaisir, à mon avis, elle a un petit problème avec... elle est peut-être disruptive avec l'adrénaline, tu vois. Un petit mélange cocktail, tu vois, assez mal foutu niveau génétique. Je vois que ça, tu vois. Il, il est peut-être excité de la peur, je ne sais pas. Je n'ai pas aucune réponse là-dessus. Peut-être endorphine, adrénaline, c'est... je sais pas. C'est quoi comme jeu? Un jeu du plaisir de la terreur. C'est un jeu d'enquête. Cherche disparition. Quelqu'un. Oh, c'est pas... Par là, je pense qu'il l'était, parce que sinon, comme il connaît mon prénom, il m'aurait appelé directement par mon prénom. Sinon, je vois pas. J'ai des réflexes de game designer. J'ai des réflexes total de game designer. Je me dis, en tant que développeur, je ferai ce genre d'effet. Si le joueur attend trop longtemps pour trouver la piste, je ferai ce genre d'effet pour lui indiquer que c'est par là qu'il faut aller. C'est une formation totalement professionnelle. Évidemment, après avoir subi les effets de cette excellente idée de développeur. J'ai des allumettes pour tout brûler. Attendez, j'ai un vélo, je me casse. J'ai un vélo, je me casse total en fait. Ouais. Ah, ils avaient de la bouffe pour chien, du coup ça confirme qu'il y avait un chien. Non, mais on s'est posé la question plus tôt. On s'est dit, bah là, c'est chelou, il y a de la bouffe pour chien, pourtant il n'y a pas de chien. Du coup, énigme résolue. Suite. Alors. Quel est le problème? C'est vrai. On cherchait à trouver. À résoudre l'énigme. On l'a résolu. La télécommande. Oh non, la télécommande. Non, j'ai pas de télécommande. Mais non, mais bien sûr. Bah non! Non, j'ai pas de télécommande. Non, j'ai pas de télécommande. Non, 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 non. Alors non, 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 j'ai pas de télécommande. Ouais, mais c'est pas une télécommande. Ça ressemble à... un truc pour faire jouer avec les chats, tu vois. Un petit laser. Il faut remettre de l'électricité dans la maison. J'ai les fusibles. Non, mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je vais pas faire attention et je vais pas écouter une porte avant d'ouvrir. Et ça va être la porte démoniaque. Ouais, hein, des fois à dire que c'est... Voilà. Fin. Ben, du coup, il est pas là, Daniel. Sacrée belle aventure. Ah. Oui, mais c'est sa voiture, mais c'est pas Daniel. Une voiture, un Daniel. Ensemble, oui,
Mais séparément, la voiture, c'est pas Daniel. Donc du coup, c'est pas Daniel. Ok. On avait dit quoi? Non. 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 Oui. Oh, oh my god. Une coupe de mime. C'est mort. Un peu comme bientôt moi. Oh, attends. On aurait trop. C'est pour faire les jeux télévisés, vous savez, avec les fils comme ça, il faut pas toucher pour faire pour éviter le courjus, tu vois. Pince à barbecue. Avec un manche en bois, idéal pour faire un barbecue. Enfin, génial, parce que c'est marrant, parce que ça s'appelle pince à barbecue, parce que sinon j'aurais pensé que ça sert pour un jeu, pour avec un fil électrique et tout. What? C'est la pince du docteur Maboul. Il va falloir qu'on mette ça dans un corps. Pas rien faire. Dommage, je vais rappeler Bruce Wayne. Batman, pardon. Pas de spoil. Si je connectais la batterie à un projecteur. J'ai un fil. Ok. Sac de bois, sac de bois. Quelques caisses de fruits. Bois, bois. Ces plantes ont l'air d'être en bonne santé. C'est plante. Plante, plante. Midi, c'est le docteur des plantes. On a trouvé. Est ouvert, je m'en souvenir jusqu'à où. Non, sur le chat. Hein. Je ne peux pas passer, il y a trop d'ordures sur le passage. Oh merde. Des Lego en forme d'oiseau. Du bois. Du bois. Du bois. Oui. Attention. Le seul moment où il devait inspecter du bois. Oh, aucune idée. Aucune idée de ce que c'est. Ok. Pourquoi elle aurait soudainement envie de faire ça? Ok. Not gonna happen. What? Ouais, utiliser. Voilà. Je peux pas le combiner. Par contre, si je mets d'abord le bois. Ah, con de mime. Pas utiliser du. De l'huile. Une télécommande. C'est tellement utile, du moins, pas tant que je vois pas réussir à allumer le feu dans le chemin. Mais sans deck. Ouais, je. Je me demande bien avec quoi je pourrais bien allumer cette cheminée. Si seulement j'avais du feu sur moi, c'est quand même giga chelou. C'est vraiment compliqué cette histoire. Quelqu'un sait où je pourrais trouver ? De quoi allumer cette... Et si je continuais à fouiller cette maison? J'ai vraiment l'impression que ce bois manque de feu.
Est-ce que je pourrais... Oh, pousse-toi. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien par là. Et si j'allais plutôt par là? Il y a des bouquins partout autour. Pardon, excusez-moi, c'est juste une petite note. Non. J'ai pas inspecté. Pareil. Dis donc, c'est ma geek. On fait un truc. On va vérifier si ça fonctionne. Oh, du coup, pas ça. Il a pas un air d'Idris Elba? Super. Pendant qu'il est vivant, en fait, je veux dire. Super idée, la cave. Cher Julien, je te félicite d'avoir réussi à trouver cette note. Tu es sur le point de résoudre le puzzle que je t'ai préparé. J'espère que cela te divertira pendant mon absence. J'ai caché la poupée préférée dans le coffre-fort et changé la combinaison. Étant donné que tu te dessines une carrière de détective, contrairement à Étienne, je pense que c'est l'occasion parfaite pour mettre tes compétences de déduction à l'épreuve. La nouvelle combinaison est la suivante. Le numéro de notre adresse municipale, 15. L'âge de Saul, la décennie de l'année à laquelle la tour a été arrachée. 7 ans le dessin de Saul. Regardez. Qu'est-ce que c'est mignon ce qu'il fait. J'adore voir des dessins glauques dans des caves en étant seul avec un briquet. Ça paraît endommager des conserves vides, rien d'utile. La toile à l'étage. Collection de bibelots apparemment inutile. Un peu comme ma dignité. C'est par terre. Il y a un truc par terre, on est d'accord? Il y a un truc par terre. Ou alors c'est un reliquat. Fais attention, je préfère ne pas prendre de risque. Bah non. Sinon ton pote il est disparu, c'est pas grave. De vider cette garde-robe et de la faire descendre ici pour y rentrer. Oh! Oh! Garage! Fusible! Fusible garage! Garage électricité! Électricité télécommande! Oh non, ça a l'air très compliqué. Ok. 10A. 20, 20 ampères. 25, 25, 25, 75, 105. 10 plus 15 pour c'était à 25. Le haut il arrive là-haut. On a quoi? Le bleu il va nulle part. Donc c'est forcément là. Le vert, 10. Donc c'est rouge, c'est là. Rouge. Soit là, soit dans l'autre sens. 20, 10. Yes! Yes! Ah, ok. Très bien. Hop. Invoquons Satan maintenant. Il y aura eu Yinch, Yinch. Attention qu'il y a quand même un problème de clim quand même. Lui bip. Que je me fais allumer et que les tueurs ont connu des jours meilleurs. Ok, j'allume. Attends, il nous a dit quoi? Il y a trois boutons. Arrêt, attends, en fonctionnant le chaudière. Arrêt, appuie sur le bouton gauche. Démarrage, milieu, vidange, droit. Il y a dysfonctionnement?
empêchant le bon fonctionnement de la chaudière, vous pouvez procéder à un arrêt d'urgence en maintenant le bouton bleu enfoncé pendant 4 secondes. Bon, oh, ok, très bien. Il y a un bouton bleu. Il n'y a pas de bouton bleu. Ah si. 2, 3, 4. Les bobos, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Le yinche. Le yinche. Oh, il nous fallait des fils pour le bas de signal. Des pinces. Ok. Usher a laissé un dossier dans la voiture. Ok. Bah, prends-le! Dois-je essayer de prendre le dossier? Oui. Un dossier bleu. Dossier rouge, dossier bleu. Ok. Mon avis, c'est comme l'autre. Mon avis, il y a une ossification. Osef, à mon avis, les dossiers, on va voir le, genre des dossiers en mode Power Rangers, tu vois. Le yinche! Le yinche! J'ai le bat-signal. Il n'y a rien là. Ouh, une pelle. Je n'ai pas besoin de creuser. Pourtant, tu devrais commencer, mon gars. Tu devrais commencer à y penser sérieusement, là. Ça fait 8 jours que ton pote Daniel, il est allé chercher du bois. Albert adore qu'on fait un barbecue dans le jardin. Albert adore qu'on fait un barbecue dans le jardin. Ok. Bon, on va aller mettre les pinces à Batignal. Ouh, attends. C'était pas là, là. C'était là depuis le début. Non, attends. Elle a pas de zombie? Ouais, parce que c'est pas tel cas. C'était là. Mon cher mari excentrique, j'ai laissé ta clé dans le tiroir du haut de ton bureau, dans la bibliothèque. Ces derniers temps, nous devons en discuter de ton retour. Je ne veux pas qu'il joue avec. Ah non, il peut pas jouer avec, ils sont morts. Pince à Batignal. Le Batignal, il est au bout, hein. Ça. Il va rien se passer d'affreux maintenant. Quelque chose de terrible se rapproche. Ok. Ah non, il va rien se passer d'horrible. Vous devez vous cacher avant qu'il ne soit trop tard. Ah non. J'espère qu'il y a des placards. Si, il y a un placard en plus! Et vous cachez, alors que ça entend, regardez autour de vous, trouvez un endroit si vous ne détectez pas. Une fois que vous avez interagi avec une cachette, elle apparaît à quatre pattes sous la table. Le temps presse. Bah non, regardez. Le temps ne presse pas tant que ça. Je veux pas quitter le menu. Quel génie. Bah bien sûr, attends, je suis game designer. I must get inside the wardrobe. J'avais pas prévu cette partie du plan. Vous avez réussi à vous cacher l'obscurité, mais le pire est à venir. Ah yes. Essayez de garder votre sang-froid. Pour vous calmer, suivez le rythme de votre cœur en appuyant sur LT et RT. RT, s'il vous plaît, RT. RT un max. Lorsque la bordure blanche atteint le centre. Les deux en même temps lorsque la bordure blanche atteint le centre. Ok. On a compris ou pas? Ne laissez pas votre cœur battre trop fort ou vous commencerez à paniquer.
Mais surtout, ne regardez pas la chose. Et je fais comment pour lire le chat, sinon? Ok. Les deux, lorsque la borne atteint le centre. Ok. C'était pas si. Hein? There has to be someone there. Huh? Retourner. Est-ce que c'est rassurant comme endroit? Hmm? Regardez cette maison de poupée, c'est incroyable, hein, c'est incroyable, hein. Je ne crois pas avoir déjà vu des jouets comme ça. Tu n'es plus un enfant. Hein. C'est vrai qu'on peut faire des frites, on peut pas ouvrir les portes, mais on peut faire des... What? Pareil. Exactement pareil. What? Bon, on va aller utiliser les pinces à... Hop. Ouais. C'est plus en panique. Maintenant, c'est... Tout va bien maintenant. On va faire un barbecue. Pa-pa-la, pa-pa-la, pa-la, pa-pa-pa-la, pa. Il nous a fait une Jason Statham. Yes. Je pourrais peut-être allumer le projecteur. Bah fais-le! Ah non, énigme. Ouais. Chez! C'est quelqu'un qui mange des carottes à côté de moi. Voilà, faut y aller progressivement. Et maintenant, barbecue! Non, non. Il y a toujours la même bougie allumée depuis tout à l'heure. Anniversaire. C'est érotique. Il est toujours en train de pleurer. L'un de l'autre côté, hein. Oh, il peut plus nous arriver d'affreux maintenant, on savait. C'est étrange, les images sont en noir et blanc, mais il s'agit de Cher et de sa femme et de tes enfants. Les photos semblent récentes. C'est marrant, ils ont utilisé un filtre Photoshop noir et blanc. Comment est-ce possible? Aurait-il la suite Adobe? C'est impossible, il est bien trop vieux. Ah. Ah. Au secours, trop d'orgasmes dans cette maison hantée! Arrêtez! Au secours! Mmh. Ah! je suis détective. Mmh. On va l'appeler Magic Etienne. Mmh. Wouah! Mais c'est giga chelux! Via les albums que les jeunes écoutent. On dirait les albums que les jeunes écoutent de notre époque.
T'as vu? Le mec qui est là en mode... Ah! Alors que le truc qu'il voit, c'est... La fille doit être une tête douée. Mec! T'as un problème! T'as un giga problème! Un poster d'Alice au Pays des Merveilles. J'aime cet enfant. T'as un problème. Une cassette qui a cramé? Un enregistrement vocal? Oh non! Non! Non. Mommy's really scared. Ouais, non, je pense que je... Colle forte. Si je la mettais au pied de la créature pendant qu'elle marche dans le couloir, est-ce que... pourrait plus avancer... Arrête d'enquêter! Arrête! Arrête d'enquêter! Stop! Ça suffit maintenant! Plus aucune déduction! Maintenant! Tu laisses les viewers regarder les indices, tu te tais, tu fermes tes cordes vocales. Phoenix, tu vois, stop. La peau est ouverte, et la corne n'est pas encore tout à fait sèche. Stop. Stop. Il n'a pas été tiré depuis longtemps, c'est probablement celui de Julia. Fille de chair fait du patinage, je suis sûr qu'elle pourrait monter. Très deux trois trucs à mon garçon. Ok. Une guitare. Ok, ok. Le manoir est immense. Immense. C'est immense comme endroit. C'est immense. La vie du massoir. Du massoir. Le fameux massoir. Mec, ça pue! Et. Quelque chose bouge sérieusement les tuyaux. Heureusement, j'ai les pinces à barbecue. Yuck. Et le mec, discrètement, il va reposer les pinces à. Très bien. Je vais reposer les pinces à barbecue à l'endroit, à sa place. Oui. N'inspecte pas. J'ai honte pour cet enquêteur. Quel genre de jouet est cette chose dégoûtante? Pas étonnant qu'il ait fini dans les toilettes. Ok. Quelle puanteur, très bien. Non, les toilettes étaient... Pas étrange. L'affaire se complexifie. Le cœur qui bat. C'est un truc que tu ne sais pas ressentir. Quoi, que diable fait cette énorme chose ici? Non, monsieur n'est pas une chose, monsieur est commissaire de police. Non. Alors non, hein. Attendez, on va inspecter les clés. Examiner. Achat, Nacha, Macha, Pasta. Macha. Personne qui s'appelle Macha ici. Mommy's really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the house. And that song? I hear it everywhere. I wish we had never listened to it. Something is watching us. Macha. On confirme. Ok, ça va être en bas. Je confirme, t'es dans la sauce. Eh bien, merci, Seb. Beaucoup. Attends.
Ah, heureusement que j'ai fait Thank God I got it shut. Course de fond, troisième langue. Ça aide en endurance pour refermer les portes sataniques. Je pense que c'est... Yes. Il est fort. Not gonna happen. Ok, c'est fermé de l'autre côté. Très bien. Ok, ok. Regardez, tout se passe bien. Il y a les voitures qui passent devant et personne avec aucun problème. Non, 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 non. D'abord. Ok, je veux pas d'abonnement au câble. Je veux pas d'autre solution. Des notes griffonnées, la moitié de celle-ci est en russe, dans le live. Notre poupée. Arrête, 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 arrête. Une note de Macha laissée à son mari Alexander, laissée dans le manoir Cher, date de 27 ans, manque 5 jours avant le début de l'enquête. Alexander, j'aurais tant souhaité que tu n'aies jamais trouvé cette note. J'ai quitté la maison, ou du moins j'ai essayé. Je prie pour que ce ne soit pas la dernière fois que je te donne des nouvelles. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Madame Catherine, ni les enfants. Je l'entends parfois pleurer à l'étage. Quoi ? Mais sans jamais pouvoir les trouver. Ils semblent toujours se trouver dans la pièce d'à côté. Même si cette pièce n'existe pas. Quoi ? Il y a quelque chose d'horrible ici avec nous. Tu veux dire à part les modérateurs ? Quelque chose que je ne peux pas t'écrire. J'ose à peine quitter notre chambre désormais. Je dois m'en aller avant qu'il ne soit trop tard. Je t'aime. Ok. Ah ! Mais pourquoi il y a une autre poupée ? Voilà, c'était vraiment juste pour tester, pour savoir si l'alchimie fonctionnait. La réponse est oui. Nous en étions ouf dans l'enquête. Inspecteur ? Non ! Non ! Non ! Arrête ! Arrête ! Oh, attends, t'es briqué ? J'ai encore plus de briquets. Attends, non, si. Oh, qu'est-ce que c'est sur la table ? La machine à coups a vraiment vieilli. Ouais, des... C'est quoi, là ? Voilà. Une photo de noir et blanc d'une jeune femme probablement originaire d'Europe de l'Est. C'est pas une histoire, genre, il y a une amante ou quoi, t'sais ? Une bible ouverte, un peu comme dans... The Ring, tu vois ? Avec Sadako et tout. Il y a un verset souligné, mais il est écrit en russe. Le fameux verset russonique. JPP. Je vous jure, JPP de ce gars. Ouais. Ok, toilette, rien. Qu'est-ce qu'on a ? Les serviettes sont sales. Je crois que je vois même de la moisissure. C'est vraiment le seul truc qui t'inquiète dans la maison ? C'est vraiment le seul truc. Là ? Oh, ces serviettes sont sales quand même. Ok, alors on a ça. On a quoi ? On a deux poupées. La colle. Oh, attends. Oh oui, ça. Oh oui. Ah, c'est bon ça.
Des bougies en bas d'une porte? Cringe! Solvant. Solvant, un pot de diluant universel. Faites que je ne sois plus surpris par ce genre de choses. Oh, la peinture. Oh, c'est dégueulasse. Ah bah quand même. C'est lui, il est plein de noir. Je peux même pas en voir le fond. C'est le seul truc. Oh. Ah non. Je vois pas le fond, je vais pas... Est-ce que j'essaie de voir à l'intérieur ou pas? Très mauvaise idée, je pense. Ouais, moi aussi. Attendez. Le diluant est inflammable. Est-ce qu'on pourrait pas mettre le diluant inflammable dans la cheminée? Solvant. Non, il faut pas le boire! Il faut pas le boire! Quel con. Bon bah... Désolé. Adieu, tu vois. Non, faut... Je suis éditeur, moi je ne connais pas les systèmes de sécurité, moi je sais faire seulement des livres. L'odeur est persistante, mais au moins on réussit à allumer la cheminée. On va rentrer dans la pièce extrêmement chelou, là en face, là, ici, là. Avec la musique qui fait peur. Attention. Sous la table, sous la table. À droite, Madame Pleur, tout droit, Batignal. Ici, on va essayer d'utiliser un savant mélange de colle plus d'Albert. Mm-hmm. mais je veux pas, moi je veux jamais enquêter avec ce gars, moi je veux juste pas. Jamais de la vie. Arrête. D'accord, la colle est prête. Je pourrais probablement réparer la clé. Si je trouvais l'autre moitié. C'est trop. Je pense que... Mais... Bouge! Je suis où? Je suis là. Alors... J'étais en...
train de voir la carte. Quoi? Oui, je la tenais à l'envers. Je suis débile aussi. C'est-à-dire qu'on va jouer. Non. C'est fort ça. Ah c'est fort. Ouais. Ah c'est balèze. C'est chaud, ça te met la pression. C'est très bien vu. Hein. Il s'est fait manger par un escalier pendant qu'il tenait la carte de la maison à l'envers. C'est vrai que techniquement tout ce qu'il avait sur lui, le loot. Comment ça se passe? Genre les clés de la baraque et tout. Malheureusement, vous venez de perdre un de vos personnages. Quand ça arrive, la victime ne fait plus partie de l'histoire. Si vous perdez un personnage, tous les objets de leur inventaire tomberont sur le sol. L'endroit de ces objets apparaît sur votre carte dans les escaliers. Avec la carte à l'envers. Genre... J'ai jamais... Tu sais, avec un petit mot, tu sais, avec du sang marqué sur le mur. J'ai jamais su lire une carte. Tu sais. Tant que vous avez des personnages jouables, votre progression dans le jeu sera sauvegardée. Mais attention, si vous les perdez tous, vous devez redémarrer l'épisode quoi? Ah, c'est violent, ça. Est-ce qu'elle est... C'est hyper violent. Vraiment? Pour commencer tout le jeu? Juste pour récupérer tout le loot de... On va vérifier les placards. Hein? Non, j'ai pas... J'ai pas écouté.